On dirait que l'hiver vient à peine de commencer à Sherbrooke, mais pourtant, ça parle de football plus que jamais à l'Université de Sherbrooke, alors que le Vert et Or est en plein camp d'entraînement printanier. Ça va très bien. On est, c'est, évidemment, c'est un camp d'entraînement, donc c'est difficile physiquement. En plus, on a un programme très, très chargé aussi mentalement. On a rentré beaucoup de stock au niveau système, tant sur attaque, défensive, unité spéciale. Mais les jeunes réagissent bien. Les jeunes travaillent fort, donc on est satisfait à date. Ça va super bien. Dans le fond, on commence à rentrer à la machine. On est un peu rouillé au début. Ça paraissait des deux bords. Puis maintenant, on commence à rouler ça. Puis ça va à merveille, là. Ce camp qui se déroule jusqu'à vendredi au centre multisport Roland Dussault à Sherbrooke permet à plusieurs recrues de démontrer leur savoir-faire. Une centaine de joueurs, plus motivés les uns que les autres, sont présents. On a beaucoup de jeunes joueurs, un Carl Bizarion qui a beaucoup de talent comme receveur de passe, un Mathieu Quirion comme demi-défensif qui a fait des bons jeux. On a un Félix Boutier, demi de coin, qui va très bien aussi. On est vraiment contents, là, même Francis-Xavier Raymond, qui nous vient de Saint-Jean, un D-line aussi, qui va très bien. On a beaucoup de bons jeunes. C'est sûr que le premier jour, il était un peu plus rough, mais je suis comme une éponge. Là, tout ce qu'il me dit, je le prends, puis le soir, je revise mes affaires. Fait que, ça évolue super vite, je trouve. Ça évolue bien à mon goût. Je fais encore des erreurs de recrue, mais sinon, ça va super bien, je trouve. Il s'agit également d'un premier camp pour le nouveau personnel d'entraîneur Sherbrookois qui est en poste depuis la période des fêtes. Notre plan, ça fait longtemps qu'il est fait, donc après, c'est juste de l'exécuter. Je suis chanceux, on a beaucoup d'excellents entraîneurs pour m'appuyer. Puis les joueurs ont embarqué dans le projet. Donc après, là, moi, je regarde ça, puis on respecte notre plan, puis à date, ça va très bien. Ce que j'aime, les coachs, c'est qu'ils travaillent tous ensemble. Tu peux avoir du feedback du head coach, comme tu peux avoir du feedback du coach des D-line. C'est tous des coachs qui savent le football, ils ne connaissent pas juste leur position. Fait que, comme je t'ai dit tantôt, je suis une éponge, puis tout ce que les coachs me disent avec la synergie, puis avec toute l'équipe, c'est comme... J'ai tout le temps du bon feedback. Ils travaillent tous ensemble, fait que c'est super cool pour ça. Pascal Morin, Vert et Or Télé.